vidéo dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, si la caméra bouge un tout petit peu, mais c'est juste un petit truc vite fait. C'est pour vous dire, donc ça sera un. La vidéo sera un Get This With Me. Donc en fait, il va y avoir un maquillage, une coiffure et une tenue pour le jour de l'an. Donc voilà, c'est parti! Donc je commence à m'appliquer de la crème, donc c'est bébé crème de chez Garnier, bébé cream, comme ça on va dire prononcé en anglais. Donc je me l'applique au doigt, donc très facilement, sur tout le visage, voilà. Ensuite, je m'applique de la poudre de chez Nocibé avec un pinceau de chez Nocibé, toujours. C'est pour cette poudre sert à fixer bien le teint, enfin voilà, pour bien que. Voilà. Et je m'applique aussi sur les oreilles, donc un peu sur les oreilles pour pas qu'il y ait de démarcation et dans le cou pour pas qu'il n'y ait de démarcation. Ensuite, je m'applique un fard à paupières de chez Yves Rocher, donc c'est le 02 Pêche. Donc voilà, il est juste trop beau. Et avec un pinceau de chez la marque Elle. Donc voilà, c'est un pinceau normalement estompeur, mais moi j'utilise comme pinceau fard à paupières. Donc voilà. Et je me l'applique donc sur la paupière mobile. Donc voilà, vous voyez pas trop à cause de ma main, mais c'est super joli. Le fard est magnifique. Il ressort pas bien à la caméra, désolé. Ensuite, à la palette Marionneau, j'applique un fard paupière marron plus foncé. Donc, il est super joli. Donc, je me l'applique donc voilà, sur les yeux. Je me l'applique au creux de paupière. Donc, voilà, pour faire un effet d'ombre super joli. Donc, voilà. Ensuite, je m'applique du mascara qui est super bien. Donc, ça vient de provient de chez. Ça vient de provient. Ça provient de chez Yves Rocher. Donc, c'est le Sexy Pulp. Donc, la brosse est vraiment super bien. C'est à brosse picot, c'est pas à poil. Donc, voilà. Et je m'applique sur les cils. Après m'avoir appliqué du mascara, je me suis mis avant du rouge à lèvres, du labello, pardon.
Et je m'appelais donc du rouge à lèvres qui provient de chez C'est tout moi, donc ce dans une petite marque et tout. Il est super bien, super joli. Voilà. Par contre, il faut vraiment s'appliquer un labello avant car après vous avez les lèvres toutes irritées. Ensuite, je vais m'appliquer donc avec un pinceau à blush. Je vais m'appliquer du blush. Donc de la palette Marionneau. Donc voilà. Je vais vous montrer donc la teinte. Je me suis trompée, je me vous ai trompé le. Je vous ai montré le mauvais, mais en fait c'est celui de à côté le orange. Il sort orange, mais c'est un pêche hyper joli, vraiment trop trop beau. Donc voilà, et je me l'applique en souriant. Donc je tapote un peu et je me l'applique en souriant.